c'est la rencontre entre nos deux événements qui a permis de créer les Jeux d'Atadès. Et on voit que 1 plus 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 à vous être inscrits. Donc merci, merci à vous d'être là. Ça veut dire un endroit où on partage, un endroit où on discute, un endroit qui est ouvert, un endroit où l'échange est équitable et un endroit où l'échange il est toujours constructif. Ça, c'est très intéressant. Cette carte, il y a 350 couches de données. Pygma, c'est un réseau de personnes, mais c'est aussi des outils pour répondre aux besoins des partenaires. On va identifier l'ensemble des objets qui chevauchent la carte. C'est un administrateur de données. Voilà, c'est tous les contrats qui vont générer des itinéraires. Sur l'image que. Les élus ont besoin d'une réponse rapide. La carte, il n'y a rien de mieux. En l'espace de 30 secondes, vous lui montriez l'importance et la difficulté de la situation. On n'a qu'une donnée, c'est la seule, mais elle est mauvaise. Eh bien, ne l'utilisons pas. Malheureusement, la tendance, c'est souvent de l'utiliser parce qu'on n'en a pas d'autre. La cartographie, ça plaît vraiment à tout le monde. Donc, pourquoi est-ce que ça... En fait, c'est un truc qui nous a presque surpris. On a l'impression que tous les gens adorent la cartographie, mais ils ne le savent pas forcément. Datatera est reconnu comme centre de référence thématique pour les données liées à l'environnement. Alors d'abord, bien sûr, on vous remercie, vous, surtout d'avoir été là et de nous avoir accompagnés. Et on est vraiment très, très contents que vous soyez venus aussi nombreux et aussi enthousiastes. Il y a une question qu'on n'a pas résolue, sur laquelle on voudrait bien avoir des infos. C'est qui a lancé la chenille hier? C'est là que ça se passe.